Comment sexualiser une conversation lors d'un rendez-vous? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment vous allez pouvoir sexualiser une conversation lors d'un rendez-vous. En fait, la première chose que vous devez bien comprendre, c'est qu'il va falloir montrer que vous êtes un homme sexué et que vous l'assumez. On vit trop dans une société où les mecs, à cause de balance ton porc, à cause du féminisme, etc., ont honte d'avoir des désirs biologiques, des désirs naturels. Je dis pas qu'il faut l'assumer en ploutant la fille alors qu'elle a rien demandé, ou... mais je dis juste qu'il y a un moment, il faut accepter que les femmes, elles aiment aussi les hommes, elles ont aussi des pensées sexuelles, et même si, voilà, être le premier à l'assumer, en parler, ça peut libérer la femme, et la femme après, elle va être plus à l'aise à l'idée d'en parler, à l'idée d'accepter que ce date, c'est quelque chose de sexualisé, et c'est pas un date plan-plan, on va lui dire « Coucou, ça va bien, tu fais quoi dans la vie, t'as combien de frères et sœurs, t'as ci, t'as ça ?» Tu vois, faut montrer, voilà, vous êtes un homme sexué, ça vous intéresse, sans être un pervers, un obsédé, et vous osez l'assumer, vous osez assumer votre attirance pour elle, elle vous plaît, vous pouvez même l'accuser de vous plaire, tu vois, je sais pas ce qui m'arrive, tu vois, c'est ta vote si tu me plais, mais bah voilà, sans tomber dans le côté je suis un agresseur sexuel, j'ai des propos déplacés, etc. Faut rester quand même dans le cadre d'un rendez-vous. Mais le fait d'être le premier et d'en parler d'une manière assumée, c'est quelque chose qui va éveiller en fait le désir sexuel chez la femme. Si tu as une relation où tu ne penses pas au sexe, où tu sexualises rien du tout, la fille, elle va pas avoir la petite graine plantée dans son cerveau comme quoi avec toi, tu es un amant potentiel, tu vois. Elle va dire ouais, la friendzone pour ce gars, tu vois, c'est tout. Donc, faut bien penser à ça. Une chose que vous pouvez faire dans votre rendez-vous aussi, c'est la kino-escalation, donc l'escalade des touchés. Je veux dire, quand elle arrive au rendez-vous, vous pouvez mettre une main en bas du dos, vous pouvez, quand vous faites la bise, vous mettez la main sur l'autre de l'épaule. La bise, vous pouvez la faire un tout petit peu plus près qu'un ami, tu vois. Il y a plein de façons de, dès le début, et après le toucher peut évoluer, je sais pas, pendant le rendez-vous, à un moment vous pouvez lui prendre la main, soit pour regarder ses bijoux, soit vous assumez, voilà, vous lui caressez un peu la main, à la fin du rendez-vous vous l'embrassez, ça l'escalade, ça a une progression dans les touchés. Mais elle peut commencer dès le début, en fait, cette progression des touchés. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut y aller effectivement de manière progressive. Parce que si vous y allez seulement en mode rien et puis d'un coup boum un gros toucher ou d'un coup boum je parle de sexe, ça sort de nulle part, non, il faut y aller d'une manière où il y a une progression. Sinon il y a aussi le push and pull, genre par exemple tu lui caresses la main et tout, elle est confortable avec ça, puis d'un coup t'enlèves ta main, puis tu parles de la pluie et du beau temps, et ça va créer un manque chez elle et tu vas pouvoir revenir plus fort après, tu vois, elle aura compris qu'elle aimait ça en fait, qu'elle appréciait ça. Et que si tu lui enlèves, elle n'est pas contente. Et là, tu vas pouvoir aller plus loin, plus facilement. C'est ce qu'on appelle le push and pull. Tu souffles le chaud et le froid, en fait. Tu fais du stop and go, si on peut appeler ça comme ça. Après, voilà, il faut s'adapter à l'endroit où on est, s'adapter à la fille. On appelle ça la calibration. Pour pas mettre la fille mal à l'aise. Je veux dire, si t'es dans un resto et que tu commences à gueuler, ouais, je vais te prendre en levrette, machin, ça va la foutre mal à l'aise, évidemment. Il y a un environnement pour tout, la sexualisation dans un endroit public, s'il y a des gens qui peuvent vous entendre et tout, s'il y a le serveur, par exemple, c'est pas le moment de lui dire une saloperie, tu vois. Faut bien s'adapter aux circonstances, à l'endroit, et bien t'adapter à la fille aussi. Il y a des filles qui vont réagir plus ou moins bien à la sexualisation, il y en a où il va falloir mettre plus de temps pour les mettre à l'aise, qui vont avoir un peu plus peur, il y en a d'autres, ça va les exciter, elles vont adorer ça. Faut s'adapter en fait à l'environnement, à la fille, etc. C'est un petit peu de l'intelligence sociale en fait. Faut montrer que vous avez un petit peu d'intelligence sociale. La technique du surnom, elle marche aussi bien, c'est-à-dire vous allez glisser à un moment ou à un autre un surnom à la meuf, genre ma belle ou ce genre de surnom. Vous allez voir si elle accepte la frame comme quoi elle est votre belle ou comme quoi voilà. Et si elle l'accepte en fait, c'est qu'implicitement elle accepte le rapport de séduction. Et c'est une manière de sexualiser. Par contre, si elle vous reprend, ah non non, je crois pas qu'on en est au surnom comme ça ou je suis pas ta belle ou quoi, ça casse le rapport de séduction et vous savez qu'elle est pas prête encore à ça quoi. Vous pouvez rebondir subtilement, coquinement sur quelque chose qu'elle dit. En fait, on peut sexualiser avec des sous-entendus, avec des jeux de mots, avec des mots à double sens, relever le mot à double sens qu'elle va dire, tu vois. On peut sexualiser aussi vachement sur le vocabulaire comme ça. Ça reste un petit peu subtil, tu vois. Il ne s'agit pas forcément de balancer le levrette, tu vois. Mais il fait chaud, pourquoi t'aimes pas quand il fait chaud? Tu vois, c'est ce genre de truc. C'est à double sens et c'est pas trop mal. Vous pouvez aussi, pour bien sexualiser, mettre en place la frame comme quoi la fille est intéressée. Comme quoi c'est la fille qui vous drague, la fille a envie de vous séduire, tu vois. La frame, c'est pas toujours « j'espère que je vais te plaire », tu vois.
La fille, c'est je sens que je te plais et toi, tu vas faire des efforts pour me draguer, pour m'avoir aussi, tu vois. C'est un peu le renversement de frame où vous devenez quelque part le prix. Une autre façon de bien sexualiser lors d'un rendez-vous, c'est de parler des relations de femmes, éventuellement parler de sexe. Parler de ces choses-là, ça va amener directement, enfin directement, légèrement la conversation vers des choses qui sont beaucoup moins formelles que t'as combien de frères et sœurs, tu fais quoi dans la vie, tu vois. Et beaucoup plus sexuelle, et même, tu vois, quand la fille va parler de ça, elle va revivre des émotions, des sensations qui vont t'associer, toi, au sexe ou à la séduction, de toute façon, quoi. Une autre bonne façon de sexualiser un rendez-vous, c'est de te sentir sexuel. Comme tu sais, les émotions sont contagieuses. Si tu sens en toi quelque chose de très sexuel, tu peux le communiquer à la fille, même quand tu vas la toucher, l'énergie qui va circuler. Le compliance test, donc c'est pas mal, on a parlé tout à l'heure de lui caresser la main. Si elle accepte la caresse de la main ou même si elle te caresse en retour, c'est un gros signe d'intérêt de la part de la fille. Après, vous devez être aussi alpha dans l'environnement, mais ça, c'est plus pour pas casser la séduction. Je sais pas, par exemple, on s'assoit où, bah, tu peux dire ça te convient là-bas, mais vous dirigez un peu, vous avez un peu le lead. Quand vous parlez au serveur, vous assumez d'appeler le serveur. Tu vois, ce genre de truc, dans un rendez-vous, ça peut faire une différence entre le mec qui a peur, qui est hyper timide et tout, et celui qui est alpha, qui est en place et qui est confiant, quoi. Et puis effectivement, à la fin du rendez-vous, bah, tenter pourquoi pas le kiss close. Afin de voir, voilà, c'est un peu la sexualisation. Et puis pourquoi pas après aller chez vous ou aller chez elle. Ça dépend s'il y a du temps, s'il y a la logistique, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur comment sexualiser lors d'un rendez-vous vous aura donné des pistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous restez des questions, je prendrai grand plaisir. N'hésitez pas à télécharger mon livre Friendzone et sexualisation, dans lequel je vous explique tout sur la friendzone et sur, pour éviter la friendzone et sur la sexualisation. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Partagez cette vidéo. Téléchargez le guide gratuit dans la description sur la séduction. Et puis me rejoindre sur le groupe privé, la communauté de la Cyprine, pour venir discuter avec moi sur Facebook. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.